Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les candidates de télé-réalité qui font face à Dubaï à une tempête inédite. Depuis plusieurs heures, Dubaï est touché par une sorte de tempête très violente. Il pleut énormément avec du vent et des orages. La ville de Dubaï n'étant pas conçue pour évacuer l'eau, ces épisodes de pluie se transforment vite en catastrophe. Et c'est ce qu'il se passe actuellement. Le plafond de la maison de Mila s'est effondré, le portail de Fiji s'est arraché, la maison de Maeva est inondée et les murs menacent de s'écrouler. Leurs maisons sont en train de tomber en ruine à cause du déluge. Elles sont toutes complètement choquées par la situation. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Chez moi, j'ai tout noir. Regardez, il est 14h. 14h. Mais le vent qu'il y a, la tempête, je vous dis la vérité, ça fait vraiment peur. Ah, le plafond, il vient de s'écrouler. Je suis chauffée. Non mais... Bah, la deuxième partie vient de tomber, franchement ça fait vraiment peur. On a ici la pergola qui s'est toute cassée, envolée, c'est tout inondé. Bon la team, j'espère que vous allez bien. Nous ça va, plus de peur que de mal. Mais franchement j'ai vraiment flippé quand le toit il s'est effondré, surtout que ça a fait un énorme bruit, j'ai cru que c'était la vitre qui se cassait. Après le problème c'est que... il y avait déjà eu de l'eau, des fissures, je sais pas si vous vous rappelez quand il avait plu et tout. Donc voilà, hein, le problème c'est qu'à Dubaï, bah, les maisons elles sont, je sais pas comment on dit, mal isolées ou elles sont pas construites en fait pour supporter la pluie. Parce que je vois des messages, oui vos maisons elles sont en carton, elles sont en carton. Elles sont pas en carton, c'est juste que bah, les maisons de Dubaï elles ont pas été faites malheureusement pour supporter une tempête. Les chats vont bien, j'ai eu trop peur. Il y a Lorenzo derrière mon mari, là, il essaie d'appeler les chats pour qu'ils rentrent dans la maison. Mais voilà quoi, franchement, en fait ça fait peur parce que là pour l'instant la pluie elle s'est arrêtée, le soleil entre guillemets, enfin la lumière est revenue parce que c'était vraiment bizarre la couleur du ciel. Mais on n'est pas à l'abri qu'il repleuve et le problème c'est que s'il repleut, bah ça fait peur quoi. T'arrêtes? Oui. Les filles, la tempête elle m'a réveillée. Regardez les filles. Toute ma chambre elle est inondée, les filles, elle est prise là-bas, j'ai trop peur. Regardez le rideau. C'est le déluge à Dubaï, c'est la plus grosse tempête, les filles. Attendez. Les filles. Les filles, j'ai peur de ma... Les filles, je casse dans mon lit. La prise là-bas, j'ai peur de la toucher. Les filles, regardez, c'est le déluge. Regardez la route. C'est un lac. C'est une dinguerie ce qui se passe à Dubaï. Coucou mes bombes, j'espère que ça va. Moi, ça va vraiment pas les filles. Je suis vraiment stressée. Déjà, c'est le déluge à Dubaï. On n'a pas le droit de sortir de chez soi et tout aujourd'hui. Les filles, c'est la fin du monde, je crois. Regardez comment il pleut. Il fait tout noir, les filles. Il fait nuit alors qu'il est 14h52. Aïe! Oh. Non, regardez. C'est le déluge, les filles. Les filles, je vais vous dire quelque chose. Hein. Et je vous jure, heureusement que j'ai mes amis, que j'ai ma soeur, ma cousine, j'ai les gens autour de moi. Je vous jure, heureusement qu'elles sont là. C'est... Bref, vous savez ce que je vais faire là, les filles? Excusez-moi, là, aujourd'hui, j'ai plus trop snappé. Mais je vais faire un bon bain, les filles. Un bon bain. Je vais me faire... J'ai trop de pression d'un coup, les filles, ok? Et j'ai pas l'habitude de gérer tout ça, mais ça y est, on a tout géré, les filles, pour le déménagement et tout ça. Mais moi, le problème, c'est que j'ai du mal à gérer la pression, les filles. C'est très très grave là ce qui se passe à Dubaï. La tante Ayman elle a dit si. Ça fait 20 ans elle a dit si, elle a dit c'est jamais arrivé. Et là, tous les autorités nous ont dit de rester à la maison, de pas sortir, de pas prendre la voiture. Les filles, ma chambre elle est trempée. Pourquoi?
Elle m'a dit, Béa, elle m'a dit charger les téléphones, elle m'a dit on sait jamais. Ah ouais? Ouais. Oulala, il y a dans votre chambre? Ouais, là. Oulala, les filles. Ah, il y a... Oulala, regardez. Aïe, 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 aïe. Il est dans la chambre ici. Il y a dans ta chambre, Imen? Les filles, regardez, regardez, mon plafond, il s'écroule. Oh ah, double L, je t'en ai la gemme. Rita, look, look. Ah, bon. Oh Rita, it's apocalypse. Oulala. Faut la prière, là. Faut prier, là. On va crever. Regardez. C'est encore pire que d'habitude. Là, je pense qu'il y a certaines voitures qui vont partir dans la rue, en fait. S'il se remet à pleuvoir. Qui y a, mon amour? Qu'est-ce que tu veux? Sur le scooter. Bubu, elle est très triste parce que sa trottinette, elle nage. Voilà, elle est où ta trottinette? Elle est là. Non, mais regardez. Comment on va faire? Lui entre deux s'est réveillé comme par hasard. Et là, la pluie, elle est en train de taper à fond sur les vitres juste ici. Ça y est, la tempête, elle reprend. Bon ben, nous, on va rester au calme, mon bébé. Hein. Vous voyez, il y a même les éclairs. C'est une catastrophe. Notre portail, il est tombé. Notre portail, il est tombé. Notre portail. Oh, la catastrophe. Notre portail. Je suis choquée. Regardez les plantes. Ça fait trop, trop. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.